Alors salut à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo test de capture. Donc je vous raconte rapidement la petite anecdote. Donc j'étais en vide-grenier et donc j'ai trouvé cette carte, donc à savoir c'est la Pinac PCTV Rave. Donc c'est une carte d'acquisition tuner TV, donc qui permet de regarder la télé sur l'ordinateur. Et donc cette carte en fait il y a une entrée composite qui permet justement de brancher des appareils genre magnétoscope ou encore lecteur DVD, mais également donc des consoles de jeux vidéo. Et donc cette carte je l'ai payée 1 €. Et justement aujourd'hui je vous en fais un test de cette carte justement pour voir un peu la qualité graphique. Par contre la qualité sonore c'est pas tout à fait ça, parce que j'ai vraiment un gros souci avec Windows 7. En fait je peux pas capturer les deux trucs en même temps, soit c'est l'un soit c'est l'autre, c'est à dire soit c'est le microphone soit c'est l'entrée ligne, et ça me fait vraiment chier. Donc du coup vous aurez un peu d'écho. Je vais essayer de voir si je peux enlever l'écho avec un logiciel. Bon je vais voir et donc on va commencer tout de suite, comme ça au moins ça sera fait. Et justement j'aimerais bien avoir vos avis sur cette sur cette vidéo, tout simplement sur la qualité sonore et sur la qualité graphique, on va dire. Donc on va commencer, on va aller sur la carte SD. Donc là j'ai branché ma Sega Mega Drive Arcade Joystick que je vous ai fait découvrir à travers une vidéo game, caché game. Donc c'est une console que j'ai pu récupérer pour 15 €, hein. Je vous invite à aller voir ma vidéo d'ailleurs. Franchement c'est une très bonne console, hein. Entre parenthèses c'est vraiment une très bonne console, je vous la conseille. Le seul souci c'est qu'on peut pas jouer à deux personnes et ça c'est vraiment chiant, mais bon tant pis, hein. On fait avec. Allez on lance un jeu, donc j'ai lancé Street Fighter 2 normalement si je me suis pas trompé, enfin, parce que je pensais à jeu donc ok. Putain par contre j'ai mis le son vraiment parfait, je vais juste augmenter un peu le son. Voilà, c'est bon. J'espère qu'on entend le son. Et c'est ça, on va mettre en mode hyper. On va mettre GameStar, bien sûr. On va prendre Rigu. Et on va commencer tout de suite. Je vais essayer de parler assez fort parce que. C'est vrai que. Je trouve que. Vraiment. Bon, c'est. Ça n'a rien à voir avec la capture, mais ce que je veux dire par là, le stick, c'est vraiment la balle, hein, que je vois à ce truc-là. Je connaissais pas du tout, hein. Et je trouve que. C'est la. En fait, en gros, c'est la. C'est vraiment la. C'est. C'est pas la première fois parce que j'ai l'impression, mais je découvre je découvre les jeux de combat avec un stick arcade et c'est vraiment je trouve que c'est vraiment cool. Oh putain ça n'est pas. Faut pas que je meurs. Ah, super nickel. Allez je vous fais juste un combat et puis je vais arrêter là. Et je pense que si vraiment la qualité est bonne, je pense que je ferai des tests de jeux vidéo maintenant. Enfin, pas des tests, mais plutôt des vidéos détente ou des vidéos de gameplay. Justement pour faire découvrir un peu les jeux que j'achète en vidéo, un peu à la Barbie Chili. Hein. Bon, je suis désolé de copier son concept, mais je trouve que c'est un concept génial. La review de merde. D'ailleurs j'ai toujours pas fait la vidéo du grenier. Je pense que je vais la faire juste après celle-là, je pense. Putain, j'ai dû la couper. Oh putain. Donc Street Fighter sur Mega Drive c'est vraiment un bon jeu. C'est vrai que les musiques sont un peu bizarres, surtout pour ceux qui ont joué à la version Super Nintendo. Mais on fait avec quoi, franchement on fait avec. Et finalement on s'y habitue très rapidement.
Mais sinon, le jeu en lui-même, il est vraiment bon, quoi. Moi, je trouve qu'il est vraiment bon. Mis à part ce problème de... Oh putain! Nickel. Bon, j'ai encore des petits problèmes au niveau du joystick, mais je pense que ça va vite se régler une fois que je me serai bien entraîné. Voilà, nickel. Donc, sur ces images, je vous laisse. Franchement, n'hésitez pas à commenter la vidéo pour la qualité ou même pour le son, parce que j'ai vraiment du mal à régler tout ça. Et bon, là pour l'instant, j'y suis arrivé. Je vais juste trouver, enfin, je vais essayer de trouver une solution par rapport à ce problème d'écho. Mais bon, voilà, je verrai tout ça. Mais en tout cas, n'hésitez pas à commenter la vidéo justement pour me dire si voilà, c'est une bonne qualité, etc., etc. Bon, sur ces images, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que la prochaine vidéo, ça va être celle de Grenier de ce week-end. Parce que j'ai trouvé énormément de choses aussi. Donc voilà. Donc sur ces images, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Putain, je sais plus parler. Bon bref, salut à tous.